Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais Claire, attends bébé. Mais laisse-moi passer en fait. Je passe par où? Elle va maintenant au milieu de la route. Alors aujourd'hui on se retrouve pour... J'arrive pas à parler, voilà, tu me stresses. Dis-le toi. Non, dis-le toi. Si vous voulez, je le dis moi. Arrête. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo en collaboration avec la marque Boo. Ouais. Donc merci à eux pour nous avoir envoyé des vêtements. On a pu sélectionner 10 produits chacune. On va vous les présenter. Ils sont tellement beaux et en fait on a décidé de... En fait souvent vous nous dites ouais vous vous habillez trop en marque, c'est trop sport et tout, regardez la preuve. Voilà. Tu m'as dit d'as. Donc du coup, il y en a assez, on veut avoir un style vestimentaire plus femme, donc on a pris toutes les deux des trucs beaucoup plus femmes. On peut espérer que ça vous plaire et c'est parti. C'est parti. Ça sent quoi? Je sais pas, du coup c'est une combi short, donc le short ça va, il est pas trop, trop court. Elle est resserrée à la taille, elle est trop belle, donc là c'est en haut c'est pareil. Resserrée, vous avez des boutons pour fermer derrière, et du coup elle a manche longue et resserrée aussi au bout des manches. Elle est trop belle, j'aime trop. Oui. Je mets ça avec des Converse et c'est très mignon. J'adore la matière. Même pour le printemps c'est trop bien les combi shorts, faut qu'on achète. Bah, je vais rester dans les mêmes motifs que toi. Moi j'avais déjà pris ce body en rouge et tout le monde me demandait d'où il venait. Du coup bah, je l'ai repris en couleur, c'est quoi, c'est camel. Touche la matière. C'est motif léopard. Oui mais touche la matière. Non c'est pas léopard, c'est piton. Ah oui piton pardon. Mais t'as vu la matière? Bah, c'est comme le rouge. Ouais. J'adore, il est hyper beau. Il tient, enfin, il est bien serré, bien moulant si vous aimez les trucs moulants. Si il s'accroche en bas avec des pressions, donc pareil je vous montrerai à porter. Ça va bien avec un jean noir ou même avec une petite jupe, j'en ai pris une pour aller avec. J'ai pris une combi short léopard mais je suis pas fan, elle rend pas très bien la couleur, je trouve que c'est trop jaune. Elle est resserrée au milieu, il y a un... c'est croisé genre. Par contre elle est hyper courte. Hein. Ouais. Donc, c'est assez fin quand même, on voit un peu à travers. Enfin quand vous la mettez on voit pas à travers mais là on voit que... on voit à travers. Du coup voilà ça va, j'aime bien les motifs léopard en ce moment, j'aime bien les trucs animaux. Animaux. Du coup ouais, mais là j'aime pas trop. Ça fait ressortir la femme sauvage. Oui, voilà. Qui entend. J'aime pas trop la couleur. Je vous parlais d'une jupe qui pouvait aller avec le body, donc du coup j'ai pris celle-ci. Elle est super belle. En fait, elle est en daim et devant, donc il y a des boutons. Sur Instagram, il y a tout le monde qui nous demande, enfin qui me demande d'où elle vient et tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram parce qu'on s'est créé un Instagram chacune et on va peut-être arrêter celui qu'on fait en commun pour une question de facilité. Hein. Vous inquiétez pas, on est toujours là, on s'en va pas. Donc suivez-nous, on met en barre d'infos et d'ailleurs, j'ai fait plein de photos avec mes amis Boo. Je voulais un jean, chaque fois je cherche des jeans hyper troués mais j'en trouve jamais. J'en ai trouvé un mais il me va pas du tout. Ah ouais? T'as pris trop grand? Non c'est du 34. Ah ouais? C'est du 34 hein. Mon père il rentre dedans. Non je rigole. Non en fait ça taille plus que à la taille ça me va. Mais genre c'est... En fait c'est trop bizarre, enfin genre ça me va pas. C'est après c'est la coupe. Mais après j'aime trop les... J'aime trop les trous, ça fait trop beau. Mais le problème c'est que moi ça me va un peu long et j'aime pas, ça me va pas. Enfin genre ça va, voilà. Mais sinon le jean il est trop beau, j'aime trop. Tout déchiré comme ça. Et des petites taches blanches. Peut-être une taille en dessous si vous voulez qu'il soit plus. Si vous voulez qu'il soit serré. Après si vous le voulez large, bah prenez la taille normale. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est du 34 ouais. Et c'est assez grand. Non mais surtout sur Boo c'est trop bien parce que tu peux. Je sais pas si t'as vu, tu peux. Ouais, il y a des articles qu'en fait vous pouvez rentrer toute votre taille, votre poids, comment vous aimez porter les vêtements et ils te trouvent la taille qui te plaît. Ouais. Et moi franchement je me suis fié à ça et c'est top, vraiment. C'est un body que j'ai commandé, je le trouve vraiment hyper beau. Je l'ai mis à l'event qu'on a fait hier soir et il est vraiment trop beau. J'adore pour sortir ouais. Et tout. C'est trop beau, j'adore. C'est un peu décolleté mais après tout, on est des femmes, il faut un petit peu montrer. Mais c'est beau, c'est trop beau. Il est tout en dentelle, bon rassurez-vous, il y a un truc dessous quand même pour pas qu'on voie. Parce que là on dirait que c'est nude. On dirait que c'est parce que c'est la couleur de la peau genre. Voilà, c'est trop joli. Et il était en plein d'autres couleurs. Il était en bordeaux aussi, je le voulais, mais il avait plus ma taille. Mais il est encore plus bon, non, je trouve. Voilà, je suis contente. Je crois que c'est mon truc préféré. Hein. Du coup je vais rester dans les body, donc je l'ai pas sur moi, mais j'ai pris un body qui ressemble vachement à celui de Lola. Donc il est, moi il est tout noir, pareil, à bretelles, en dentelle et tout, il est vraiment trop beau. Il se ferme aussi avec des clips. Et genre en fait... La moitié c'est de la dentelle et en bas c'est une matière un peu lisse, noire, c'est pas pareil que le haut et c'est vraiment trop beau, il va nickel, je l'ai pris à ma taille, donc 34 je crois, j'aime trop. Ouais. Et surtout, je vous mettrai des photos à porter de toute façon. Ouais. Les prix sur Boo, ils sont ouais. Hyper bas, franchement c'est pas cher et la qualité elle est ouf. Donc j'ai passé
à un ensemble. Donc, je l'ai habillé ensemble. J'ai déjà mis la jupe en fait. Donc c'est un ensemble, mais ça s'achète séparément. Donc du coup, là il y a la jupe. Je l'ai pas mise encore parce qu'elle est un peu courte, mais je pense qu'avec des collants, ça peut. Enfin, avec des collants noirs, en tout cas, ça peut aller. Donc du coup, je crois que ça pour ça, voilà, j'ai suivi le site parce que moi d'habitude je prends une 34 et là j'ai vu qu'il me conseillait une 36, du coup j'ai pris 36 et j'ai bien fait. Donc c'est une couleur un peu brique, il y a des poches derrière. Et donc avec, j'ai pris une petite veste, celle-ci aussi pareil, je l'ai mise plein de fois. Même pour les TikTok, il y a tout le monde qui m'a demandé de où ça venait, donc ben voilà, c'est bon. Donc c'est une petite veste en crop top. Et je trouve que c'est beau séparément et c'est beau ensemble, ça peut faire un bel ensemble, je vous montrerai. Elle est trop belle. Donc ça c'est une combi short. Attendez, j'arrive à la mettre. La ceinture, donc vous avez une ceinture avec, je la mets à côté. Du coup c'est une combi short comme ça, donc elle est resserrée à la taille. Le short est quand même assez court. Voilà, c'est des manches mi-longues. Qu'est-ce que tu fais? Genre il y a un petit décolleté, moi je mets un bandeau dessous parce que ça s'ouvre un peu beaucoup des fois. Du coup voilà, j'aime trop les motifs, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Bon, ça fait un peu penser à... comment ça s'appelle? Versace. Versace, ouais. Ah ouais? Ouais, ils ont plein de trucs comme ça. Bah, elle est trop jolie, j'aime trop. Ouais. D'ailleurs t'as une photo sur Insta avec, j'ai vu, ouais. C'est trop beau. J'ai mis plusieurs fois déjà, elle est trop belle, j'aime trop. Ensuite moi j'ai pris un truc hyper spécial, mais j'aime bien. En fait c'est un pantalon. Fluide avec un nœud devant. Donc il est un peu long pour moi, mais en même temps je suis 1m60, donc c'est normal. Regardez, là ça va rien prendre du tout, la couleur elle est originale, enfin, ça se voit pas tous les jours. Je crois que ça ressort plus clair là, dans la caméra. Ah ouais? Dans la caméra. Ah ouais, voilà, mais c'est plus foncé en vrai, c'est un peu plus foncé. Et donc il y a le nœud devant et après ça peut se mettre avec tout, l'été c'est trop bien, c'est agréable. On dirait que tu portes pas de trucs moulants, pas de trucs serrés. Et en même temps ça fait classe, donc mais toi, c'est un peu compromis. Mais non, j'ai pas l'étiquette. Pas encore mis. Ensuite, là j'ai un manche long que j'aime pas. Il est c'est trop transparent. Mais genre vraiment hyper transparent. Là, en fait, on voit pas trop. Et on voit vraiment tout à travers. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est hyper trop transparent. Derrière, vraiment, le dos, il est trop beau. Donc, c'est un peu un dos nu avec des nœuds. Du coup, là, c'est aussi resserré à la taille. Ça fait une sorte de grand volant. Pareil pour le bout des manches. Bon, sinon, il est joli, mais genre. Transparent, quoi. Et la matière, elle est hyper fluide. C'est hyper agréable. Oui. On dirait un truc maillot de bain. Ouais, c'est vrai. J'ai pris une robe, donc pareil, vu qu'on a reçu la commande il y a pas longtemps, j'ai pas eu l'occasion de la porter. Je la trouve trop jolie, donc il y a des boutons, la couleur elle est vraiment magnifique, enfin, moi je trouve que ça va trop bien, ça ressort bien. Et il y a un nœud sur le côté, donc la matière elle est agréable. Je l'ai pris en 34 et j'aime bien, hein. Ça change de mon style d'habitude, mais pourquoi pas. Ensuite là j'ai pris un ensemble qui est assez court, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre ensemble. Vous l'avez en plein de coloris sur le site, j'ai vu à toutes les couleurs. Du coup, vous avez une jupe comme ça. Donc la matière, c'est un peu crépon. Oh, j'ai peur. Crépi. Crépon. Enfin, crépi, ça va pas. Du coup, voilà, c'est une jupe moulante comme ça avec une sorte de. Ouais, c'est un t-shirt, mais je veux dire que c'est un bandeau plutôt. Ouais. Du coup, voilà, mais l'ensemble, c'est trop beau. Du coup, vous avez plein de couleurs, blanc, rouge, vert, jaune, vert, et c'est vraiment pas cher. Du coup, ça, c'est ma seule, on va dire, déception de la commande. En gros, c'est un col roulé. Sauf qu'il est. Très 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 transparent, ouais, ça va à travers, et même le col je le trouve, enfin il est un peu trop gros pour moi, mais c'est dommage parce que sur le site il avait l'air super beau, ouais, aussi, mais c'est surtout qu'il est hyper transparent, donc peut-être à moins de mettre un truc dessous. Donc ensuite j'ai pris un truc très particulier, bon il y a plein de gens qui en mettent, donc moi je... Ah ouais, c'est j'ai voulu essayer aussi, c'est les pantalons vinyle, enfin vous avez plein de trucs en vinyle en fait. Ouais. Les jupes et tout. Bon ça, faut savoir le porter quoi. Il est un peu trop serré. En fait, c'est trop bizarre parce qu'il est hyper serré, mais il fait vachement de plis. Et du coup, ben, je le mets pas. Je sais qu'il y en a qui mettent avec ça, avec des gros pulls rentrés dedans. Ouais. C'est vraiment trop beau. Avec des baskets, vous mettez pas ça avec un débardeur, des talons. C'est difficile. On va vous demander vos tarifs. Du coup, maintenant, il me reste que des vestes, mais vraiment, c'est des coups de cœur énormes. Je les mets tout le temps. Voilà. Donc, la première veste, c'est un trench coat. Oh là là, en plus, ça vient de la collection petite parce qu'il y a vraiment une collection petite chez Boo. C'est trop, trop bien. Parce que, du coup, pour nous qui sommes petites, et ben, d'habitude, les trench coats, ça nous arrive aux chevilles. Et là, il est parfait. Il tombe pile à la bonne taille. Les manches, par contre, elles sont un peu serrées, mais ça va. Je passe, mon poignet. Là, il y a un 14 sur la veste. Hop. Je fais bon. Et pour sortir, c'est un peu compliqué, mais il est magnifique.
Vraiment, vous allez le voir porter, il est vraiment splendide et ça habille direct une tenue, ça fait directement femme d'affaires, j'aime bien. Et je crois qu'il était à 40 euros franchement pour un... 40 ou 50 euros pour un trench coat, t'en trouves des beaucoup beaucoup plus chers quoi, ils sont tous à 90 euros. Et là, t'en as un trop beau, donc foncez. Je vous mets tous les liens en description de toute façon. Je propose à ma mère de prendre deux trucs sur le site. Du coup, elle s'est pris une paire de chaussures, donc je les ai pas sur moi, c'est des bottes. Tu mettras l'écran. Exactement. Donc avec Lola, on n'a jamais pris de chaussures dessus. Et elle est hyper satisfaite, donc c'est des bottes en matière d'un. Elles sont hyper confortables et tout, et bon moi j'aime pas trop les bottes. Moi je trouve qu'elles sont trop belles. Hein. Mais elle les a prises en rouge, et ah ça ouais lui sort hyper bien, du coup c'est hyper original et tout. Oh là là, ça c'est mon coup de cœur, mais je pense que vous avez dû le voir, parce que sur tous mes TikTok et sur toutes mes photos Insta, je l'ai. Quand je l'ai reçu au début, je savais pas trop si j'aimais, mais au final j'aime trop. C'est les vestes comme ça là, les vestes en nounours, j'ai envie de dire. Et je vous montrerai porter parce que là ça ressemble à rien. Mais en gros donc c'est veste avec des boutons. Et quand on l'a mis on a vraiment l'impression d'un nounours. La mère de Lucas dès qu'elle me voit elle veut me faire un câlin. Elle dit oh, on dirait un nounours, voilà. Elle est trop belle. Il y a plein de gens qui mettent ça en ce moment. Mais en général ils en mettent des plus foncés. Moi je trouvais que la claire ça a changé. Et au final je suis vraiment pas déçue. C'est trop joli. Du coup ensuite elle a pris une robe. Lola en a pris une qui ressemble un peu, elle vous l'a ouais présentée. Donc c'est une robe noire avec des boutons blancs. Un peu décolleté, elle est trop belle. Du coup, elle a pris sa taille et ça lui est nickel. Ou... Bah, en gros, la robe, enfin, c'est une robe pas chère, ouais. Et c'est de la hyper bonne qualité aussi. Elle est pas transparente ni rien, elle va nickel. Du coup, voilà. Bah, viens présenter ton produit. Je suis en pyjama. C'est quoi? Du coup, pour Lucas, je lui ai pris une veste en jean. Donc là, c'est son petit truc de la commande. C'est une veste en jean, elle est trop jolie, noire. Elle est un peu donc destroy sur les épaules. Elle est grise noire. Voilà. Et derrière il y a une tête de mort avec des roses et il y a écrit Only Love Can Survive. C'est trop beau. Je suis un petit peu un lover. Ouais, le dessin il est trop beau derrière, j'adore. Elle te va bien? Franchement ouais. Pas trop grand, nickel. J'ai mis avec un petit sweat blanc en dessous là, oh là là, machin. Ouais, c'est trop beau. Machin là, comme on dit chez nous. Voilà. Du coup, moi j'ai un dernier truc que j'ai pas sur moi, donc c'est une sorte de soutif à dentelle. Donc là c'est pas de la dentelle, c'est une matière un peu crazy. Genre vous savez, c'est un truc hyper fin mais ça on sait pas trop où est. Et ça fait, la couleur c'est une sorte de couleur écaille de poisson, tu vois, genre toutes les couleurs violet, vert et tout. Je sais pas comment expliquer. Bon bref, c'est pas la couleur qui reflète, de toute façon vous verrez la photo. Je vais resserrer les bretelles et voilà, moi j'aime bien. Tu l'aimes bien? Ouais. Ah ouais. La vidéo elle est terminée. Ouais. On espère que vous nous préférez avec ce style vestimentaire là. Donc quel style vestimentaire vous préférez et quel vêtement vous avez préféré dans la commande. Et du coup, on espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà commandé sur vous ou si vous allez commander. De toute façon, on vous remet tout dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et donc, on a un code promo, on vous l'affiche à l'écran, on vous le met dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce qu'on met plein de photos. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.